Voilà. Cela vous joyeuse. Connaissez-vous partager cette vidéo? Je n'aurai pas beaucoup de temps parce que je n'ai pas trop bien chargé. J'ai eu beaucoup de trucs. Donc j'appelle ici Roberto Ngangoum et Amer Kamer. Voilà les raisons pour lesquelles la dernière fois j'avais volé le train. Vous avez vu là? Paris-Saint-Lazare, 27 minutes. Vous avez vu 27 minutes. Donc voilà. Donc, comme ma tête a mise à prix à Paris, je m'en vais à Paris. Je fais mes courses. Je fais mes choses. Tout à l'heure là. Connaissez-vous mes Warriors? Voilà la raison pour laquelle j'avais raté le train la dernière fois. Vous avez vu? Donc, cette fois-ci, j'ai quand même pu payer le ticket. Parce que quand vous arrivez là en haut, tu ne peux pas payer le ticket. Il faut descendre de l'autre côté là-bas. Voilà ma gare ici, c'est la voie de Val d'Or. Il faut aller de l'autre côté là-bas. L'autre côté, la petite maison là. Là-bas qu'on paye le ticket. Et mon train venait la dernière fois. Et moi, j'ai vu les gens qui partaient aussi. Je les ai suivis. On m'a arrêté. Voilà, je ne suis pas une personne qui est malhonnête. Tout le monde le sait. Moi, je vais alors à Paris maintenant. Je vais à Château de faire mes courses. Et comme je vous ai dit, ma tête, s'il ne me plaît plus, je vais me coiffer. Donc, j'appelle Roberto Ngangoum ici. Et j'appelle Amer Kamer. Et tous les témoins de Paris. Venez. Vous allez me dire si c'est vous qui m'avez amené à Paris. Je sais que la place ne m'aime pas. Vous choisissez un petit truc que j'ai dit. Roberto Ngangoum vient ici. Il a dit que toi et moi, je veux que tu prononces mon nom. Tu m'as dit que oui, je ne prononce plus mon nom. Connaissez-vous? Regardez combien je perds le temps. C'est ma gare ici. Je suis à la gare de Val d'Or. Regardez. Le temps que je perds ici. Vous voyez, il n'y a même personne. Oui, c'est le gars de banlieue chic. C'est le banlieue chic ici. Mais oui. Vous savez qu'il fasse quoi? Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de copain qui me transporte en voiture. Même si j'ai un copain qui me transporte en voiture, il a ses obligations. En plus de ça, il ne fait même pas beau. Il ne fait pas beau. Connaissez-vous? Ça va me joindre, je vais à Paris. J'ai encore combien de temps? J'ai 27 minutes. Parce que ma tête est mise à prix à Paris. Je m'en vais et je sors comme ça ma tête. Vous allez voir ma tête ici, à Paris. Oh, vous allez me voir. Si c'est vous qui m'avez fait venir ici en France. Que j'ai tué qui, vous allez me dire ça aujourd'hui. Vous allez me taper fort. Je m'en vais. Vous ne me connaissez pas très bien avec qui vous avez affaire. J'ai 27 minutes à faire ici. Parce que moi, maman, le gendarmage, c'est Roberto Ngangoum. Mon gendarmage, c'est tes prostituées bamilées qui m'insulte là-bas dans ta page. Là, c'est leur problème là-bas. Ainsi qu'à mes camés. Mon gendarmage, j'ai fait les courses. Hein. Les gens sont vraiment. Hein. Je me marre. Je dis bien que je me marre, mes Waros. Moi, j'ai grandi à Paris. Vous n'avez pas grandi ici. Hein. Je suis venu ici tant très jeune. Hein. Je suis venu ici jeune. Hein. En maintenant, ici, j'ai accouché mes enfants au Cameroun. Hein. Mes enfants sont nés au Cameroun. Je les ai fait venir ici. Donc, vous et moi, on a fait la même chose. Je suis une petite bâtarde, une femme qui se bat. Ben, 4 minutes, vous voyez non? Vous voyez ma station est comme ça. Hein? Je baisse parce que comme il pleut là, parce que la pluie n'aime pas, le tout n'aime pas. Je vais m'asseoir là-bas, je vais. Non, je ne vais pas mettre là-bas, je vais pas de l'autre côté là-bas, je m'assois devant. Comme ça, je vais vite sortir. J'ai payé mon ticket, 4,50 €. Hein? 4,50 € pour une fois que j'ai payé. Moi, je ne suis pas habitué à payer parce que moi, j'ai la gratuité en France. Ma carte était finie depuis le 1er janvier. Donc il faut refaire les trucs. Comment on fait? Ce sont les enfants, disons. Venez me taper, venez me taper. Tapez la veuve joyeuse. Merci pour les étoiles. Merci. C'est gentil. Étoile, étoile. Je marche seul. Il y avait on appelait chanter là, comment chanter. Je marche seul dans les rues de sinueuses de Paris. Je marche seul. Venez me taper. Pas la gueule. Venez. C'est vous qui avez créé la France. Paris c'est pour vous. Paris c'est pour les Camerounais. Je Rwanda sur vous. Venez me taper. Je suis madame veuve de Créon. Venez. Je marche seul
Dans la rue de Paris, je marche seul. Mais la police est là, non? Dès que je fais souvent que pas clap, j'ai sorti tous mes téléphones, tu me connais. Je marche, je m'en vais seul. Oui. Non, je veux raser ma tête, je n'ai plus ma tête, ça me plaît. Je ne suis plus belle quand il fait les vidéos, je suis plus belle. Donc, rendez-vous à Château Rouge. Pour les gens qui veulent me taper. Ah, venez me taper là-bas une fois ça tourne. Venez me taper à Château Rouge. Parce que moi je donne tous les rendez-vous. Vous allez me taper en vertu de quoi, oh? C'est vous-même qui savez. Vous m'intimidez, oh? C'est vous-même qui savez. Donc, j'attends 200 personnes ici. Dès vous êtes 200, je commence. Non, j'aime pas ça, mon prof. Ça me. Ici là, partagez, dites aux gens que je m'en vais à Château Rouge, hein, que ils viennent me taper, hein, parce que je ne veux pas que. Non, toi d'influence, oh, si tu sors à Paris, dans quel Paris vous parlez? Le Paris d'avant, ou votre Paris à vous? Le Paris que moi j'ai grandi à Paris, hein. J'ai quel âge? J'ai grandi, ça arrive à Paris à quel âge? Jean-Jacques Goldman, je marche seul. J'ai toujours été belle, Lucette Otero, toujours belle. Oui, Lucette Otero, tu es revenue ici. J'étais bloqué partout. J'ai toujours été une belle femme. Lucette Otero. J'ai dit que j'ai toujours été une belle femme. Maman, on dit que quand tu rages, tu marches dans les rues sunnières de Paris. Je n'ai aucune peur. J'ai mon Saint Nicolas Archange qui est là. Je crois en Dieu. Quand vous croyez en Dieu. Je m'en vais à Paris. Maman, est-ce que tu sais que je n'ai jamais été belle? J'étais l'une des plus belles femmes de Paris. Je dis, Yami, je suis toujours belle. Si tu, Lucette Otero, si tu n'étais pas belle, si tu n'étais belle, tu allais mettre ta photo de profil. Mais malheureusement, tu vas prendre la photo d'une actrice américaine. Ah oui, ça veut dire que tu n'assumes pas ta propre image. Voilà. Je m'en vais. Ah. Je vais boire mes bières, comme d'habitude. Okay. Maman, il fait pas beau, hein? Oui, maman, le pays, c'est. Tu me bloques pourquoi, maman? J'étais bloqué. J'étais souvent supprimé, c'est tout. J'étais bloqué pourquoi? Connectez-vous, je veux. Appelez Robert Ongamo. Dites que c'est Robert, que c'est la veuve, je veux qu'il l'appelle. Le couple type de Robert, là. Appelez-le. J'ai mis les chaperons rouges, hein. petit chaperon rouge, comme ça vous n'allez pas taper quelqu'un d'autre là-bas, il faut me taper une fois, parce que moi j'ai mis petit chaperon rouge. Maman, il fait pas beau, hein. Franchement, là, et ça c'est le moment que je tombe souvent très malade, parce que la petite pluie là, très fin là, c'est ça qui donne la maladie aux gens, ne sortez pas, quand vous n'êtes pas bien couvert. I am the star. Je m'en vais me coiffer. Ah. Mon coiffeur même se trouve au 17e. Mon coiffeur m'a titré, il se trouve au 17e là-bas. Mon coiffeur, je me suis. Hein? Mon copain si. Hein? Je t'aime, chérie. J'ai acheté les tickets, les tout-ci. Ils ne vont même pas me faire des problèmes. Vous voyez le temps que je mets là? 30 minutes pour attendre un train. Et tu vois un train qui arrive et que. Je vais me coiffer. Appelez-moi Robert Ongangou. Oui. Appelez-le. Je vais m'appeler Amé Kamé. Appelez-le un peu. Parce que tu sais que les gens de la place, comme ils ont échoué, pour lui être toujours vivant, il est toujours étudié. Donc, quand ils voient une sardinade comme moi, tout le monde veut seulement tuer la sardine. Vous oubliez que c'est vous qui vendez la sardine. 200 personnes, on commence. Moi, je ne veux pas les gens. Il y a des gens qui commencent avec les 1000 personnes, 500 personnes. Je ne suis pas dans les 500 personnes. Mais comme quand même, ce sont des stars, ce sont vos stars.
Robert Ngangou, c'est une star. Proprement dit, dans la brasse. L'autre là, le proxy Pro Max de Amer Kamela. Lui aussi, il est star dans sa catégorie, dans le prosnétisme. Donc, 200 personnes, je commence avec eux. Partagez. Même si c'est deux personnes qui partagent, mais ouais, partagez, mettez ça dans vos pages. Comme je vous ai dit, vous partagez, mettez dans vos pages. Quand il finit le direct, vous retirez. Vous venez regarder, vous partagez, pourquoi? Partagez. Vous ne voulez pas que j'atteigne 200 personnes pour parler. Vous ne me connaissez pas, je ne vais pas parler à deux personnes. Maman, il ne fait pas beau. Hein. Je marche seul. Dans les rues de Paris, je marche seul. C'est ça qui est ça. Moi, c'est que la vidéo avait les contourneurs. La moi, ça me rendait même. Mais au moins, c'est ça. Au moins, j'ai quand même fait le buzz. Et puis, je fais parler de moi à ce moment parce que je dis mes convictions. Je dis les choses que les gens pensent tout bas. Oui. On va me tuer pour ça. Les Bamlékés vont la sardine, non, mais oui. Vous savez pas ça, hein? C'est eux qui sont la sardine, non. Ouais, j'ai dit 200 personnes. Si vous ne voulez pas 200 personnes, vous laissez. Je veux commencer avec les gens qui sont là. Je ne suis pas là pour faire la publicité de qui que ce soit. J'ai appelé Robert Ngangou. Ah, eh bien, dis donc. Victoria Vasquez, tu me dis bonne année. Après tout ce que tu as dit dans les vidéos, là. Merci, bonne année, meilleurs vœux. Eh bien, dis donc. I'm going to Paris. Paris is my mind. You know? I love Paris. I'm parisienne dans l'âme. Bon, on va continuer. Déjà 160 personnes, c'est déjà beaucoup. On continue, on commence. Je vais commencer par Robert Ngangou, parce qu'il faut commencer par Robert Ngangou. Parce que lui, ce n'est pas une star. Lui, c'est personne. C'est un coup type qui est musculé, qui fait des sports, qui est là pour attendre les choses de la toile. Parler. Robert Ngangou, la dernière fois, tu m'as promis que tu ne parlerais plus jamais bien de moi. Attends. Encore 15 minutes. Bon, je vais là-bas. Là-bas, il n'y a pas assez de gens. Je m'assois au milieu de tout là-bas. Voilà. Donc, Robert Ngangou, si, Robert Ngangou, c'est le message que je t'envoie, c'est la plus joyeuse. Hein? Je suis à ma gare de Vador et je vais à Paris. Oui. Je vais te dire une chose. Toi et ta clique de 100 visas, ta clique de 100 visas, ta clique de mécréants, parce que ta clique, c'est la clique des mécréants, la clique des tribalistes bamilékés que tu es là. Si le tribalisme ne te bat plus, hein? Il y a dit plusieurs fois que je ne prononce plus mon nom. Quand je ne connais rien, je ne prononce pas mon nom. C'est pas que tu as dit, j'ai juste mal lu les commentaires. Oh, qui va m'aller manger là-bas? J'ai besoin de vous prendre manger chez moi. Le ventre gang, je travaille depuis 3 jours chez moi. J'ai des clients. Je suis une veuve joyeuse. Je suis une star. J'ai mon monde à moi. Que vous n'avez pas. Hein? Tu parles de moi en tant que qui? Tu peux parler de moi? La tête de la veuve joyeuse est mise à prix. Je m'en vais voici ma tête ici. Vous allez me couper tous les jours à Paris. Je m'en vais à Paris. Je vais voir là où vous allez me taper. Aujourd'hui, j'ai pris mes 3 téléphones. Je vais filmer partout. Oui, malheureusement, je ne suis pas sorti avec, mon chargeur. Ce n'est pas grave. J'ai les gens là-bas. Ça va charger. Que quoi? Ma tête est mise à prix à Paris. J'ai tué qui? Hein? C'est moi qui casse les ambassades à Paris. C'est moi qui insulte Paul Biya à Paris. Comment elles sont mises à prix? Hein? Tu n'as plus rien à dire. T'es ça, Bamilékés, là, et toi, là, vous ne mettez plus les strings. Toi, tu mets les strings. Et ne mettez plus les soutiens pour aller taper Paul Biya. La tête, là, je suis célèbre, hein. Eh bien, dis donc, je suis une femme très célèbre. Et une femme très butée. Je ne vous ai rien fait. J'ai parlé comme je voulais parler, c'est tout. J'ai parlé ce qui parle de ma pensée, de mon cœur, c'est tout. Si c'est pour ça, ça va faire des chougras dans les réseaux sociaux. Comme vous n'avez plus les vues. Maintenant, quand vous allez parler à votre joueur, qu'elle a dit que Céline a fait ceci, ou comme elle est morte, elle est méchante, c'est votre problème là-bas. Je n'ai peur de personne. Moi aussi, j'ai ma famille. Moi aussi, j'ai eu une deuil. J'ai perdu sur mon mari ici. Je ne vous ai pas vu ici à Paris. Hein? Hein?
Je ne vous ai pas vu. Donc, comme il fait froid là, dehors, vous n'arrivez pas à sortir, vous passez votre temps à grossir sur place, avec vos grosses fesses, vous passez votre temps à grossir, vous n'avez rien à faire dans vos vies. Vous êtes squatté dans les réseaux sociaux pour écouter ce que les gens disent dans leur vie dans les réseaux sociaux. Ah oui. Moi, je vais à Paris. Comme ma tête est mise à plus à Paris, vous allez me montrer aujourd'hui. Si je rentre chez moi et que je fais le direct ce soir, que ma tête, je ne suis pas morte, ou je n'ai pas de coups partout, hein. Sachez que j'ai gagné. Et moi, je m'en vais à Paris. Parce qu'aucun Camerounais ne va m'interdire Paris. Ne va m'interdire d'aller faire mes courses à Paris. Ne va m'interdire quoi que ce soit. Ce que vous cherchez là, vous allez écoper ça vous-même. Je vous ai dit, je tape ma main au sol. Nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Saint Michel, quand je vais vous prendre dans vos familles, vous-même, vous allez tous mourir. Je vous dis, mon concept de sortir la mort aux gens, vous allez die. Vous ne me connaissez pas très bien. Je suis comme je suis. Je suis une jumelle de ce quoi, hein? Et moi, j'ai quelque chose que j'ai dit, chaque personne qui a bouffé mon argent ici à Paris, vous allez die avant moi. Chaque personne qui me fait du mal, vous allez voir. Ce que je suis, c'est ça. Je ne tue pas les gens. Je ne tue personne. Vous savez très bien que je ne m'attends pas avec cette femme. C'est vous qui venez que, oh, la veuve joyeuse, c'est une morte. Alors, elle est morte comme tout le monde meurt. C'est une exception. C'est la Sainte Rita. C'est la Sainte Teresa. Ou je ne sais pas quoi que vous parlez. Vous, Sainte, là, que vous priez là. C'est quoi? Oui? Tout le monde sort maintenant. Oh, veuve joyeuse. Vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de contenu. Vous n'avez rien. Et je dis que, Lolo, le direct que tu as fait là hier, c'est ça, je ne te donne pas le direct là. Moi, je n'aime pas les défis. Je suis ici à Paris avec vous. Vous me voyez dans vos restaurants? Bon sang. J'ai mon monde à moi. J'ai mon monde à moi. Je ne suis pas dans les restaurants, je ne sors rien du tout. C'est rare qu'on me voit dans cette. Quand on me voit dans un mariage, parce que ça veut dire qu'on m'a invité. Et puis, malgré les mariages là même, je me respecte, je suis assis dans mon coin. Je ne regarde même pas les gens parce que je m'en fous. Vous voyez, vous êtes dans un mariage de blanc ici à Paris, c'est un mariage des doigts. Hein? Mais vous avez voulu que quoi? Que donc, il fallait que je parle aussi bien d'elle. Mais malheureusement, non. Hein? Hiki, maman. Il pleut, hein? C'est fait froid jusqu'au moment. Hiki. Donc, je vais aller me coiffer. Hein? Bon, ça va? Ça va, vous. Ah, bah, très bien, monsieur. C'est parfait. Il pleut, hein? Il ne fait pas beau aujourd'hui. Donc, Roberto Ngangou, si la petite a dépassé, hein? Comme tu as dit que parce que vous rêvez seulement comme on tape à Paris, je vais en me tape. Du Warriors. Warriors. Warriors, voilà la devise de Warriors. Warrior. Quand on me tape, on me tire au sol, on va finir. On va voir à Paris, ça va faire les titres des journaux de Paris. Oh, wow, wow, là, va là, oh, on l'a tapé, oh, vous serez contente. Hein? Ne me dis pas que laisse, voilà les mots que je n'aime pas. Je laisse quoi? Donc je vais laisser comme vipente les mécréants, les misérables mécréants, mes suites. Hein? Par rapport à quoi, j'ai fait quoi de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hein? J'ai fait quoi de mal? Donc tout le monde là, maintenant, comme ils ont pu, il n'y a plus rien qui fait le titre des journaux. C'est moi qu'on va prendre. J'ai horreur de bonnes choses. Quand quelqu'un est énervé, laisse la personne aller jusqu'au bout. Il faut laisser quoi? Pourquoi quand les gens m'insultent là? Ils étaient de la famille de Céline. Ils ont mangé sur Céline. Céline, c'était ma copine. Hein? Même Céline même va se fâcher contre eux. Vous étiez la famille de Céline. Vous connaissez Céline où? Vous la connaissez? Cette langue de générosité tout à coup? Par rapport à quoi? J'ai fait quoi de mal? Hein? Je vous demande, j'ai fait quoi de mal? Ah! Quelqu'un va époper, oh! Vous n'avez pas appelé la politique? Hein? Du racisme énergise, I am the pet, I am going to Paris. Warriors, 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 warriors! Je m'en vais! Apparemment, ma tête a mis à prix à Paris. Je pars à Paris. Je veux marcher. C'est pas... Malheureusement, voilà la même chose parce que. Ne tapez pas n'importe qui a la capuche. Hein. Il faut regarder quand vous allez voir le petit chaperon rouge avec mon petit écharpe ici. Et vous tapez.
Parce que quand vous ne voyez pas, ça ne tape pas les gens. Parce que vous pouvez taper les couteaux de personnes là-bas à Paris, en croyant que c'est moi. Que Lolo a demandé pardon pour ma maladresse. Je lui ai demandé de demander pardon à qui? Si elle a fait ce pour elle-même qu'elle voulait faire, je lui ai demandé de demander pardon à qui? Elle a fait ça de son initiative. C'est tout. Elle a demandé pardon pour mon maladresse. Quand on insulte les ministres ici, quand on insulte les gens ici à Paris ici, elle ne demande pas pardon. Je lui ai demandé pardon à qui? Si elle a fait, c'est son problème. Elle voulait peut-être avoir les vues. C'est tout, je m'en fous. Mais c'est très bien ce qu'elle a fait, mais je ne l'ai pas demandé de faire. Hein. C'est tout, quoi. Il y a quoi? Même les gens qui ont seulement mangé là-bas une ou deux fois, viennent me parler. Pour ta maladresse. Hein, plutôt à parce que tout le monde ne s'entend pas très bien. Va donner les étoiles là où tu verses les étoiles là-bas. Et si tu ne verses pas les étoiles, donc ne parle pas ici. Laissez. Pour ta maladresse. Ah ouais? Toi, tu as accouché, soi-disant, ton enfant est placé par où? Bon, ton enfant, on voit la couleur de ton enfant, non? Ma maladresse. Tu n'aimes même pas d'abord la bienvenue ici. Hein? Bien, bon week-end là-bas. Je ne suis pas avec toi. On voit le temps que ça passe là pour que tout le train passe. 30 minutes, 40, parfois 40 minutes. Donc, tu vois un train qui est devant toi, tu ne veux pas sortir le métro pour prendre le train. Qui n'a jamais sorti le métro ici en France? Qui n'a jamais fait ça? Mais comme c'est la star, parce que je suis star, vous parlez. Quand tu veux faire la vidéo pour quelqu'un, tu parles bien. Elle a bien parlé, mais bon, est-ce qu'elle parle de moi? Elle a fait ce qu'elle voulait faire, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour les vues. Je ne suis pas là pour être ami avec tout le monde, avec les chanteurs, les chanteuses de Paris, avec les femmes, la frélateur de Paris. Je ne suis pas dedans avec eux. Moi, c'est dans mon coin. Ma page, dans ma page, je n'ai pas la team. Les gens qui ont les teams sont comme ça. Mais vos teams, là, vous en avez quoi? Vous êtes plus pauvres que les souris de l'église. Moi, je n'ai pas de team, mais je vis très bien. On est clair là. Donc, Robert Ngangou, sache que mon ganda qui est ouvert là, marche très bien. Et j'ai des clients. Et je me fais des petits sous. Vous dites, ami, j'ai des clients dans mon gada. Tu comprends, non? Les clients, tout le monde n'est pas contre moi. Je ne vois même pas d'abord qui est contre moi. Je vous connais d'abord. Hein? Avant de parler à veuve joyeuse, tête la veuve joyeuse est mise à pied à Paris. Quelle tête! Je m'en vais à Paris là. Et malheureusement pour vous, parce que regardez, il pleut. Tu ne pleuvais pas, hein? Que vous allez me voir avec les talons comme ça. D'abord, mon coiffeur, même, c'est où? Mon coiffeur est où? Mon coiffeur au 17e, hein? Donc, moi, mon coiffeur, quand je veux pas aller loin, comme il fait très. Voilà, je m'arrête au 17e, je vais au 17e. Je m'en vais au 17e, oui. Oui. Je pas au 17e parce que je ne veux pas aller loin à Château Rouge. Il fait pas beau. Je m'en vais me coiffer chez mon coiffeur. Maman, je ne veux plus marcher à Paris. Je ne veux plus marcher à Paris parce que j'ai insulté qui? Parce que j'ai fait quoi? Donc, ma tête est mise à prix par qui? Par les qui? La police existe. Vous allez monter, vous avez fait 25 ans ici sans immeuble au pays. 25 ans ici sans maison nulle part. Les vérités commencent à sortir que vous n'avez pas de maison pour vivre. Vos copains vous quittent parce que vous n'avez pas de maison. Tiens. Quand vous faites vos choses, faites ça pour vous. Ne prenez pas mon nom pour ça. Parce que quand moi, j'ai fait les choses ici à Paris aux gens, j'ai appris que les gens disent que oh, on ne demande pas aux gens de les aider à faire ça. J'ai de tout ce. 2023, quand je vois le problème d'une personne ici, d'une star embracatée ici à Facebook, hein, je ne me prononce plus jamais. Je ne me prononce plus jamais. J'ai vu l'hypocrisie hier. Toi, l'hypocrisie. Plus jamais je me prononce. Maintenant, chaque personne, c'est que hein, nous sommes au mois de janvier. Je passe ici, tu passes là-bas. Parce que la façon comme insulter le direct de Lolo, Lolo n'a rien fait. On m'a beaucoup insulté là-bas. Je suis outré. Parce que dans mes directs, pas que les gens m'insultent. Lolo laisse. Elle ne fait rien. Elle doit bloquer ces gens-là. Elle ne les a pas fait. Et les gens continuent à m'insulter. Tout ce que nous on veut, tout ce que vous voulez, c'est les vues. Et moi, je ne suis pas dedans. Donc, j'ai pris ma décision que Lolo, je t'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai vu que tu es hypocrite envers moi. Je te l'ai dit en plein direct. Prends ta route. Tu as dit que tu es une seule pièce, non? Prends ta route et moi je prends la mienne. Je suis seul dans mon coin. Votre hypocrisie de bamiléque là, je ne suis plus là-dedans. Non, tu m'as fait trop mal.
Parce que quand je regarde ton direct au début, parce que j'ai regardé au début jusqu'à la fin, tu n'étais pas à ma faveur. Non. Quand tu parles qu'il y a des femmes qui se droguent, celles qui boivent l'alcool, celles qui sont comme ça, là, machin, tout là. Non, tu t'agresses à qui? Tu t'agresses à qui, Lolo? Hein? Voilà le problème. Donc, voilà, moi, je te dis ça. Je profite pour faire ce grand direct pour te dire ça. Que, ma, moi, je ne peux pas t'appeler pour te raconter ça. Parce que ça s'est passé en direct. Quand ça s'est passé en direct, je m'excuse. Tu es ma personne, mais reste avec tes gens. Parce que c'est ton monde-là, c'est le monde de Fémande du 7e. Reste avec eux. Moi, je reste seul dans mon coin. Voilà, je ne veux plus. Parce que tu as permis que les gens viennent m'insulter dans ton direct et que tu n'as rien fait. J'ai vu comment le nombre de jus que j'ai eu là-bas chez toi, tu n'as rien fait. Parce que tu les protèges, parce que tu t'aides à avoir les étoiles. Donc pour l'instant, moi je reste seul dans mon coin. Donc voilà. Reste avec tes doudous et Ngamba, reste avec ces gens. Moi je reste seul. Moi je te l'annonce. C'est mieux pour moi. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Parce que après j'ai bien écouté ton direct, non. C'était pas un direct constructif. C'était un direct pour me descendre encore plus. Oui, c'est pour moi. Oui. Et je regrette même de t'avoir même dit de faire ce direct. Tu as fait un direct pour toi, tu n'as pas fait un direct pour moi. J'ai bien regardé le direct. Donc, enfin, bref. Donc, je dis, Roberto Ngambo, sache que mon Ganda marche. Mon Ganda marche et mon Ganda marchera toujours. Voilà ma voiture qui arrive. La voiture, la même joyeuse. La veuve joyeuse, une place, maman, c'est bondé dedans jusqu'à. C'est bondé. Maman. Hein? C'est celui qui dort ici là. Maman, c'est l'odeur de ça. Maman, là-bas. Non, excuse-moi. Oui, pas. Hey, ma personne. C'est comment? Tu vas où? On va à Saint-Lazare. Laisse-moi là, je m'assois. Tu vas... Mais on parle ensemble. Mmh. Oh, mais je pars à Château Rouge. Mmh. Comment non, ça fait longtemps? Bonjour. Ça va? Les beaux gosses de Paris sont là. Mais il n'y a plus d'ici, non? Oui. Non, pas Saint-Lazare. Oui. Comment ça fait longtemps? Non, le jour je dis, je bois une bonne bière. Hé, hey, ma personne, dis bonjour. Ouais, mes dix clients. Ça le dirait, t'es. Oui, mais je fais un petit tirage là et tout ça. Mais elle défend, Lola a défendu sa tête avec quoi? Comme l'autre d'ailleurs, au pays, là, la vie. Ne parlez plus de ça, vous me tuez pour ça. Ah bon? Oui. Apparemment, j'ai fait un mauvais comment. En fait. C'est pour ça. Moi, je vais à Paris. Quand on me tape à Paris, donc je m'en vais là, quoi, me tuer ça. Yes. Non, ça n'est. Si vit Bérénice, il n'y a pas un problème là. Lolo n'a rien fait de mal. Mais moi, je regrette. C'est ma personne. Oui, elle reste là, tu es ma personne, mais pour l'instant, on va se. On va se parler quand je regarde, parce que moi je suis arrivé dans son direct, quand elle parlait un peu de moi. Mais au début, quand elle parle, elle se vante, les gens qui ont eu les vues, elle se vante, les gens qui ont les vues, elle dit les trois teams qu'elle connaît, qui sont les vrais teams des réseaux sociaux, c'est pour se moquer de moi. Donc moi j'ai pris ça mal. Hein? Donc voilà, c'est ma personne, mais pour l'instant, moi, je reste dans mon truc seul. Elle dit qu'elle a les teams, mais. Voilà, donc moi je ne veux pas avoir, parce que je la réponds en direct, parce qu'elle a fait ça en direct. Donc quand elle a fait son direct, elle a parlé de tout et de rien. Je n'ai pas un problème avec elle. Moi j'ai vu que elle, tout ça c'est l'hypocrisie, parce qu'elle protégeait beaucoup plus sa tête. Elle protège sa tête, pourquoi? Ou alors je ne sais pas. Moi je n'ai pas peur des gens de Paris, je ne mange pas dans la maison. Donc voilà, moi pour l'instant je préfère rester seule dans mon coin. Ça ne sert strictement à rien d'être avec les gens qui côtoient les gens de qui côtoient ce monde là quoi. Donc voilà, je n'aime pas l'hypocrisie. Donc voilà, les gens qui voulaient que je ne parle plus avec elle, donc c'est bon là. Lolo et moi, l'amitié est finie. C'est une nouvelle année, nous sommes en janvier. Elle reste dans son coin, elle reste dans mon coin. Plus jamais je l'appelle, je ne veux plus avoir entendu parler. J'ai regardé les directs, je vois comment elle se moque. Oh, j'ai vu combien de vues, millions de vues, j'ai fait ça. Mais moi, je suis la seule personne qui l'a souvent défendue ici. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin que les gens la défendent dans les réseaux sociaux. D'accord, c'est bon.
Voilà, j'ai compris. Donc je reste seul maintenant. Je vais me débrouiller tout seul. Plus d'appels. Comme j'aime souvent appeler les gens la nuit là qu'on parle. Je n'appelle plus, je ne fais rien. J'ai compris à quoi j'ai affaire. J'ai dit une semaine en 2023. Donc pour l'instant, je ne personne pas de son côté. C'est tout. J'ai compris. Parce que j'ai regardé la vidéo là. Il n'y avait rien qui me concernait dedans. Parce qu'elle a laissé que les gens m'insultent dans son direct. La plupart d'avant, c'était les injures. Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas dit que n'insultait pas la veuve. Elle n'a rien dit du tout. Et tout ça. Et les injures sont toujours dans sa page. Donc pour l'instant, moi, je la laisse un peu respirer. Elle dit que pour l'instant, elle ne peut pas faire les directs parce que Céline est morte. Donc moi, je veux comprendre leur amitié où c'était, mais bon. Non, je reste moi seul dans mon coin. Donc je voulais dire Roberto Ngangou que Roberto Ngangou, tu ne connais pas. Non, elle part là-bas. Elle m'a lâché hier. Elle m'a lâché. Le nom m'a lâché. Donc elle m'a lâché là. Elle avait ces vrais gens qui disent que j'exagère dans les directs, que j'insulte tout le monde, j'insulte les bambins, que j'insulte. Comme j'exagère, nous sommes encore en janvier, mieux qu'on se quitte là sans problème. Je n'insulte pas. Je ne me moquerai jamais d'elle. Je ne l'insulte pas, je ne me moquerai jamais d'elle. Elle va faire sa vie. Ah bah, excusez-moi. C'est pas grave. Ok. Donc, non. C'est le game, oui, c'est le game. Non. Bah, j'ai vu la vidéo, non. Donc, Robert, ton gars, moi, je pense boire toi. Comme tu as dit que ma tête est mise à prix à Paris. Moi, je me vais à Paris. Là où ma tête est mise à prix. Je reste celle dans mon coin. Voilà. J'ai dit que le mois de janvier, tout va se dissolver en janvier. On va prêcher du bon et du faux. Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le moment, je préfère rester seul. Dans mon coin, seul. Maintenant, je vois les choses des gens en Facebook. Je ne dis plus rien. Je parle maintenant là où ça me. Là où un dossier m'intéresse, là où moi je parle. Quand un dossier m'intéresse, moi je ne parle pas. En ce qui concerne le nom pour Diamant, c'est ma soeur, ça restera, mais je veux la respecter. Elle fait ces choses là-bas. Je ne veux plus trop m'intéresser de ces choses parce qu'elle ne peut pas accepter que moi. Le nom, je ne peux pas accepter que les gens viennent m'insulter dans ton direct. Parce que les gens m'ont insulté. La plupart là-bas, les gens m'ont insulté, nettoyé là ton direct. Tu n'as rien fait. Tu ne les as même pas bloqués. Même pas dit qu'arrêter de m'insulter. Tu as laissé faire. Donc j'ai compris que tu ne faisais pas dire là pour moi, tu faisais dire là pour toi. Pour les vues. Comme vous aimez avoir les vues. Moi, je n'ai pas pris les vues. Donc pour l'instant, moi je reste seul dans mon. Je reste seul. Voilà. Mais je ne suis, je regrette pas t'avoir défendu. Depuis des années, je suis derrière toi, je te défends. Mais toi, la première fois que tu défends, tu parles en ta faveur, tu parles en faveur de tes vues, en faveur de tes gens. Comment tu as peur de moi? Non. Bref, comme je dis Anthony, Robert Ngangou, moi. Moi, je ne sais pas quoi te dire parce que je ne te connais pas trop, mais je vais te prendre ces jours-ci. Bon, en ce qui concerne la mère, quand même, toi, tu fais le direct hier. Tu me. Comment les beaux gosses, vous allez où? Ça te rouge, hein? Vous avez rendez-vous là-bas? Hein? Dis donc. Tu me dis bonjour. Bien. Dis bonjour. Salut la famille. Voilà. Bonne année. Bonne année. Ouais. Vraiment, le monde a moins comme ça. Donc les gens disent qu'ils attendent à Paris. Mais maintenant, ils vont d'abord voir où je suis avec eux. Ouais, tu as deux gars de quoi? Bien sûr. Beaucoup. Maman. Mais non, regarde ce nom. J'ai envie de manger les prunes. Je suis observatrice à Facebook. Voilà. Et ce que je voulais dire, Amé Kamer, c'est quelqu'un que moi je ne sais pas. Quand il était possédé, quand il avait loué sa maison là où les filles venaient se prostituer dans sa maison là. Je n'ai jamais quitté sur une pour aller me prostituer avec lui. Il n'a jamais été mon ami. Oui. Amé, tu dis que les gens ne vont pas venir manger chez moi par rapport à quoi? Quand tu avais ta maison de prostituée là, quand tu étais là-bas à Evry, à Evry Gagan, j'ai dit que les gens ne viennent pas, que les clients ne viennent pas chez toi. Hein?
J'ai dit que les clients ne viennent pas chez toi. Pourquoi maintenant tu dis que les clients ne vont pas venir chez moi à cause du deuil de Céline? Par rapport à quoi? Tu les aimais trop. On t'a déjà vu manger là-bas un jour. Quand tu venais ici à Paris, tu allais manger chez les bassins, non? Tu es venu manger là-bas chez Céline un jour. Moi, mon petit Nanda marche bien. Hein? Hein? D'abord, c'est une petite maison, même qui n'aime pas tous les gens qui viennent là-bas. Hein? Vas-y, allez-y, faites ce que vous voulez. Je m'en vais à Paris. Hein? Je ne vais pas manger chez moi. Regardez comment une femme parle. Toi-même, un procédé pro max. Procédé pro max. Je vous dépense, je vous dis. Avec ta procédé qui est au Cameroun, vous n'êtes pas allé saluer. Elle n'est pas allée saluer marche en tout. Elle n'est pas allée saluer marche en tout. Hein? Elle n'est pas saluer marche en tout, on voit. Oh, elle devait aller partir saluer marche en tout. Elle n'est pas partie saluer. On a vu Marie-Paul là-bas. Je dis qu'on a vu Marie-Paul, qu'on appelle ça, à étudier, saluer la première dame. On n'a pas vu Guylaine Chaput. Son nom, c'est Chaput. On n'a pas vu là-bas. Oh, je veux soulever Flore. Je veux l'amener saluer les grandes personnes. Allez saluer, non? Nous, on les salue comme ça. Nous, on les salue. Hmm? Toi, tu es où? Tu vis chez toi. En tout cas, tu vis chez une Guinéenne. Là, tu dors au canapé. Tu es obligé maintenant de faire. Va livrer Gagan, non? Là où tu livrais les femmes aux hommes, un procédé. Tu as combien d'enfants? 13 enfants. 13 mères différentes. Tu les as reconnus? Hein? Regarde-moi un bâtard comme ça, que si toi, tu es devenu un abeille. Un abeille sans regarder un grand garçon qui devient abeille. Hmm? Maman, tu es devenu abeille. Donc laissez-moi comme ça. Hein? Je t'ai dit l'abeille. La honte de ça, maman. Là, jusque la police vient. Oui, client sur lui. Jusqu'à ce que les clients. Maman, la police est venue. Rebelle chez toi, non? La loi française est très lente, mais quand on t'attrape ici, hein, on devait même d'abord t'arrêter quand tu as même mis les pieds dans le sol français. Dans le sol français. Tous les gens là, donc pour toi-même, je vais te prendre à la maison. Hey, qui me met les étoiles là? Antoine, Bacho Anthony, c'est qui ça? C'est un faux compte, hein? Vraiment. On t'attrape. Hmm? Quelqu'un qui plante le manioc, même pas 3 semaines. Oh, voilà le manioc qu'on déterre. Tu crois qu'on ne connaît pas ton manioc que tu vends là? Hein? Je suis dans les trains. Aujourd'hui là, je veux te laver. On appelle. On ne l'apporte pas, mais comment? Ouais. Ah, mais quand même de mes fesses, regarde-moi là, je m'ouvre à toi. Vous prenez les directs. Vous allez laisser votre nono, allez les suiter seul là-bas. Je ne me mélange pas dans vos choses. Non, nono, c'est ma soeur, elle sera toujours ma soeur. Hein. Mais les directs que j'ai eu hier, parce que j'ai encore bien écouté les directs. J'ai bien. Non, le direct m'a fait mal. Un direct que c'est les injures. Ma foufou, ma déjeuner, ma démarche, tous les noms qu'il ne faut pas m'insulter, n'a rien fait. Même moi-même, tu effaces mes directs là. Ça ne sert à rien. Oui. Mais comme il faut bien gagner l'argent, hein, les étoiles, le nombre de vues que tu as, les publicités, ça vous fait gagner l'argent. C'est pour ça. Mais moi. Mais moi, je n'ai pas aimé ton direct. Parce que après, j'ai bien écouté ton direct, ça ne m'a pas fait plaisir. Parce que moi, je n'ai pas fait un direct là où les gens viennent m'insulter. Les directs, les gens m'ont beaucoup insulté dedans. Et moi, je n'aime pas. Tu m'as jamais vu faire un direct là où même le nombre de jus que j'ai eu avec ton histoire de comment les gélules là. Oui, les gens m'ont détesté jusqu'à. J'étais tué avec toi. Mais aujourd'hui, non. Donc, moi, je suis tué avec toi, mais reste-moi dans mon coin, seul. Même si j'ai l'envie, la vie me manque de t'appeler, je ne t'appellerai plus jamais. Plus jamais. Je ne peux pas accepter que tu fais un direct, soi-disant tu vas essayer de rétablir la vérité, ma façon et tout. Tu demandes pardon, c'est comme si c'était un pardon forcé. Je ne veux pas. Moi, je refuse le pardon là. Donc, tu as demandé pardon pour toi, pas pour moi. Je ne suis pas d'accord. Et oui.
Mais non, même, non, elle ne m'aime pas. Si elle me met, elle allait retirer le direct là. Je la réponds ici parce qu'elle s'est passée en direct aussi. Je ne veux pas l'appeler délègue, non. Je la réponds ici. Non, voilà. Moi, je suis supporté. Je dis que, hey, on est là, je suis avec elle. Tu sens un type qui menace ses enfants à la maison. Il dit que. Avancez, avancez. Elle demande pardon à ma place. Non. Je regarde le pardon. Elle demande pardon. Elle demande pardon pour elle. Moi, je demande aucun pardon. Elle demande pardon à ma place par rapport à quoi? J'ai tué qui? J'ai fait quoi? Non. Non, je ne veux pas. Non. Non. Elle ne veut pas mourir pour moi, elle meurt pour elle. Maintenant, c'est chacun, Dieu pour tous, Dieu pour tous. Oui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je ne veux plus entendre parler. Mais elle a fait le direct pour moi. Oui, mais bon. Mais ce n'est pas ce que j'attendais. Ça, je reste c'est dans mon coin. Moi, je défends tout le monde ici. Bien même, je ne veux pas entendre que machin. Avant de la défendre, je ne veux pas savoir parler, machin. Mais tout ce qu'elle a fait hier, là, non. C'était le cinéma. Et moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord. Les gens continuent à m'insulter là dans son direct. Quand on n'enlève pas, tu sais même bien, elle enlève le direct. Elle n'enlève pas le direct, pourquoi? Ce sont les mêmes gens. Ils sont avec tout ce monde de Paris. Je reste seul dans mon coin. Je me désolidarise d'elle. C'est moi, je l'annonce ça ici parce qu'elle a fait la même chose. Puisqu'elle dit, ferme ta gueule, d'accord? Ferme ta gueule avec moi, d'accord? Tu avais vraiment mal fait. Tu me connais à Paris, tu connais mes histoires à Paris. Fais-moi là, d'accord? Hein? Fais-moi là. L'autre, c'est ta soeur. Va. Alors, d'abord, je te bloque pour commencer. Tu n'es pas mon soeur. Allez, moi, va là-bas. Fais-moi celle-ci. Vous voulez être star derrière les gens. On voudrait que je m'amuse. Lisa Taylor et Level Gilbert. Je vous bloque tout à l'heure. D'accord? C'est mon direct. Oui. Je vais vous bloquer tout à l'heure. Quand vous avez aimé son commentaire, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. D'accord? Restez dans vos coins, restez seul. Donc, allez dire à Piscaline de faire aussi en direct. Vous m'insultez, comme ça elle aura les vues. Comme elle est rentrée en Allemagne, en classe dignité. Allez, dire ça. Voilà. Moi, je vais à Paris. Quand on vient me taper là-bas à Paris, il n'y a pas de problème. Ah, du coup. Vous n'allez pas me voir dans vos dés à Paris, vous ne me voyez pas dans vos restaurants. Tu as insulté la merde, machin. Vous allez qui imbécile, regardez-moi là. Moi, je m'amuse avec vous. Je ne veux plus entendre parler de vous. Pour l'instant, chaque personne reste. Chaque personne prend son couloir. Donc, Amen, Kamen, c'est ce soir que je vais te dénigrer. Oui. Tu vas me dire pourquoi tu donnes dans un canapé chez une Guinéenne alors que tu devais aller à Livry Gargan. Mais non, si elle enlève, c'est, les gens, dès qu'elle enlève, les gens qui ont partagé, ça va se couper chez les gens là. Mais déjà, tout le monde fait sa part non, pour avoir des vues, non, pour partager. Donc, ça fait quoi? Moi, je veux qu'on fasse des choses pour moi avec le cœur. Le nom n'a pas fait ça avec le cœur. Non. Elle n'a pas fait ça avec le cœur. Et j'ai compris. Elle n'a pas fait ça avec le cœur. Quand on fait quelque chose avec le cœur, c'est vraiment le cœur. Non. Donc, voilà. Non, je préfère que ça soit dans mon coin. Maman, on s'est arrêté dans beaucoup de gars. Hein. Mais ça, c'est grave. Hein.
Là, c'est la prochaine qui est Saint-Lazare. Saint-Lazare. Hey, maman. Tu ne passes pas trop souvent ici. Hein? Tu ne passes pas trop. Non, souvent je prends le train qui soit c'est deux arrêts. Dans les trucs, soit on arrive à la défense, plutôt défense, coupe-voie, et après, c'est direct. Tu vois, non? Après, c'est direct. Donc, les gens qui rêvaient que Lolo et moi, on s'attend plus, vous êtes servis. Je vous annonce que mon amitié avec Lolo, au cas des réseaux sociaux, c'est terminé. Donc elle va aller avec ces gens qu'elle a prononcés hier, les Doudou et Ngamba, tous ces stars qu'elle a prononcés, sont ses amis à elle. Ce ne sont pas mes amis. Moi, elle m'a prononcé par dépit, à la dernière minute. J'ai vu la vidéo et ça m'a choqué. Donc voilà. Elle a dit qu'elle est seule, qu'elle fait ces choses, elle demande à personne de la défendre. Donc comme elle demande à personne de la défendre, c'est bon. Donc elle continue sa vie, je continue la mienne. Mais moi, je me mets à Château. Donc voilà, je combat, je continue mon combat avec Ngossa. Ngossa et moi, c'est le combat. Donc, je vous laisse, je suis arrivé à Saint-Lazare. Oh, vous prenez quoi la ligne 12? Ah, on va aller ensemble. C'est maman. C'est un repère. Non, c'est un français. Ah bon? Oui. Il a un peu de maison. Non, il dort là. C'est un français. Tiki, il y a la population française qui sort. Maman, hé! Hey. À cause des trains, c'est la maman. Nous allons aller à la baie d'Amérique. Américain, le roi? Non, celui qui est mort là, le mince là. Le mince américain est mort? Le mince là, oui. Hé! Pendant les fêtes. Pendant les fêtes. Il a mangé quoi? Il parle de Bonzini. Tu connais pas Bonzini? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Non, pas Bonzini. Pas Bonzini, c'est lui là, Michael. Michael, oui. Américain, oui. Il aime toujours saper. Il est mort de quoi? On dit qu'on l'a trouvé chez lui le matin. Ça fait 3 jours qu'il est d'ailleurs. Il avait beaucoup bu. Tu peux voir que ça fait tout ça. Oui. Après, il buvait aussi pour le whisky. Ah, tu sais, les whisky. Il buvait à sec. Ah, non. Et puis, il ne mangeait pas aussi. Hein? Et puis, Val d'Or, Paris, non, c'est ça, non? Ah. Attends, ils sont partis, maman, je vais encore voler, maman. Bon, je te suis. Maman, comment j'ai fait ça, non? Maman, mon ticket, si c'est comment encore? Va dans Paris, non? Et... Ils sont passés par où? Coucou! Bonjour! Tu ne voulais pas la blogueuse, là? La blogueuse! Elle me plaît trop! Bonjour. Okay. Bon, salut les ils sont avec moi. Pardon, ah, okay. J'ai eu peur. Incroyable à vous. Merci. Okay, à bientôt. Bye. Non, mais j'ai payé mon tour, c'est 4 euros, c'est 4. On dit que j'ai soin là, ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Mais ça doit retomber. Mais non, ça fait prim, prim. 4 euros, c'est 4 euros. 4 euros, c'est un can, non? Bah, tu as payé ça à la gare là-bas, non? À la gare, bah, donc, oui, mais normalement, je dois. Ça là, non? Passer, non? Est-ce que j'ai pouvoir avec les tickets là, tous les temps?
Donc voilà. C'est pas où? C'est là-bas, hein? Ouais, Pelican est... Et vous avez la veille là? Vous avez la veille où? C'est dans le Capentier. Sa famille, sa famille, ça a organisé une grande. Où ça? Dans le Capentier, c'est Pantin là-bas. Ah, à Pantin ici, hein? Là, là où il y a l'église là? Mmh. Voilà, c'est là. Ouais. Oh, devant la mosquée. C'est quelqu'un qui depuis le bus, ne mangeait pas. Voilà le problème quand vous... Voilà. Voilà le problème. Voilà le problème alors. Quand vous buvez, il faut manger. Il faut manger, oui. Il faut manger. Voilà. Et les gens meurent partout. Voilà l'Américain gars ici à Paris qui est mort aussi. Il a travaillé ce soir, il faut partir la veille là, non? Oui, oui. Ça, les Camerounais ne mangent pas. J'ai connu des filles comme ça qui ne mangent pas. Qui, même ici à Paris, il y a même certains qui ne mangent pas. Oui, voilà un problème qu'on doit parler. Quand tu bois, même tu dois manger. Quand tu bois, tu dois manger. Oui. Même, si, même les petits biscuits là et tout ça, rien. Leur corps est déjà habitué à l'alcool. Et les alcools vraiment forts. Le whisky, la bière. Hein? Tout ça, tout ce qui est à plus de 12 volts là. C'est dangereux, il faut boire. Vous buvez, vous mangez. Vous ne mangez pas. Et vous tombez venu dans les maisons avec le ventre à faim. Hein? Parfois, le ventre à faim. Tu n'arrives même pas à te lever pour manger. Il n'y a rien à manger, il n'y a même pas l'eau. Même l'eau, vous ne buvez même pas l'eau. C'est pas vous. Ah. Vous voyez? Oui? Il y a les soldes des magasins là. Ah, il y a les soldes, les soldes sont commencés. Ah oui! Ah oui! Oui, je suis étonné, il y a du monde. Ah oui! Non, moi j'aime les soldes, moi j'ai commandé mes soldes. Moi j'aime les crocodiles. Moi j'ai fait mes soldes sur internet. Les crocodiles, j'ai payé mes crocodiles déjà. La cause. Moi ici, la maman de la cause. Ah ouais, moi j'adore la cause. Moi tout bien, j'aime les chemises de la cause parce que c'est très. Ouais. J'ai déjà passé mes commandes de la Costa. 50%. Ouais, tu as vu sur la Costa. Moi j'aime la Costa. Ah vraiment, hein. Mourir pour la Costa dans ce pays. Il y a deux qui tuent les gens. La drogue. Les Camerounais se droguent beaucoup. Les Camerounais surtout. Voilà aussi un problème que je vais parler ce soir. Tu as vu Michel. Il vous t'aime. Oui, on est au 17ème autre jour, non? C'est la première ce soir. Donc tu ne le vois plus le pays. Non, non, pas de problème. C'est même comme j'avais perdu. Ah, tu veux son numéro, non? Ouais. C'est un gars, la baisse comme ça, là, il s'habille bien comme ça. Un gars bambiné comme ça, là, il a s'habillé. Il était bambiné, il s'est habillé à... Ah, Pantin, il y a l'église là. Il est taille. On a trouvé ça depuis 3 jours. Il était bon depuis il y a 3 jours. Ouais. Comme on demande fumer moins, manger plus. Hein? Faut manger. Vous ne pouvez pas vous droguer, vous ne pouvez pas prendre l'alcool sans manger. Hein? Un moment le corps. Hey, c'est encore quoi ici? Wow. Je pars chez Julie. J'avais boire mon. Je m'avais mangé là-bas chez Julie. Même si c'est chez je suis mes gardes du corps. Je vais prendre les trucs. Attends, ne fais pas comme ça. Attends d'abord. Ok. Bon. Bye. Mais personne n'a parlé de lui. Un gars qui était dans les réseaux sociaux américains. Et il a travaillé aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a certains qui vont mourir ici dans l'anonymat. Dans l'anonymat, vous mourrez, personne ne pense à vous. Voilà. Voilà. Il y a une grande veillée ce soir ici à Pantin. Et malheureusement, moi je ne peux pas être là parce que moi j'ai tout en gagne là-bas et tout. Mes petits clients et tout. Parce qu'après, quand j'ai fait la première vidéo là, après j'ai eu les clients pour le bar. Je suis encore acheté le poisson, j'ai encore. Merci, j'ai. Et puis, eh bien, dis donc.
Oh, il était beau, hein, jeune. Il est lui mort chez lui pendant 3 jours. Ça veillait, c'est aujourd'hui qui a parlé de ça. Alors que vous, les femmes, vous êtes au courant de ça, que le petit garçon est mort. Vous voyez, on parle d'une personne seulement. Donc, vous ne parlez pas de vous. Vous ne parlez pas. C'est ça qui est juste. Hey, donc ils ont couvert la personne. Ils ont couvert Saint-Lazare avec les trucs, hein, les connexions. Parce qu'avant qu'elle faisait les directs ici, là, ça ne passait pas. Ils ont ouvert. Ah, ils ont ouvert partout, hein, ça c'est bien. En plus, c'est une bonne image. Hein. Salut. Hein? Maman Paris, maman Paris, bon, les gens font des pouces, hein? Ouais. Y a les dos, hein? Y a le monde, bien. Y a le monde. Bon, je vous laisse, hein? Ah, putain, merci pour les étoiles, merci pour les cœurs, merci pour tout. Je suis en train de vous.